Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc de gameplay. Alors aujourd'hui un gameplay un peu particulier parce que c'est mon tout premier gameplay sur mes consoles ancienne génération, donc que ce soit la PlayStation, la Super Nintendo ou autre. Je tiens à remercier notre ami Sparadra de la websérie Noob qui sans qui je n'aurais pas pu acquérir le matériel nécessaire afin de vous faire ces captures d'écran directement des consoles. Donc merci à toi Sparadra, Frédéric en fait plus précisément, et merci à toi de m'avoir passé les liens et tout ça pour avoir le matériel nécessaire. Alors pour aujourd'hui, cette nouvelle vidéo va être donc sur PlayStation 1 et ce sera Croc The Legend of the Gobo, ou l'histoire d'un petit crocodile avec un sac à dos comme vous le voyez. L'histoire d'un petit crocodile, comme je disais, avec un sac à dos qui doit aller récupérer les petits gobos, qui sont des sortes de petites de petits personnages de en pelote et tout. Donc voilà. Alors c'est un jeu moi que j'avais à l'époque, et que là j'ai récupéré récemment. Et franchement, je l'ai vu et j'ai limite hurlé pour l'acheter quand je l'ai vu à 1€ dans un vide-grenier. Donc voilà. Allez, c'est parti. Start level, donc 1-1 and the adventure begins. Alors je sais pas si on peut changer Il me semblait qu'on pouvait le mettre en français. Bref. Allez, c'est parti. On commence par le premier niveau et on est parti. Alors le voici, notre petit croc. Et c'est parti. Voilà, ça c'est des gobos, vous voyez, c'est ça ce qu'il faut délivrer, c'est les petites bébêtes qui sont là. Alors attendez que je me rappelle bien des... Ça c'est les pas de gauche, pas de droite. Voilà, ça c'est les attaques. Alors comment on fait pour péter les caisses en fait? Ça c'est demi-tour. Et ça c'est sauter. Voilà, c'est comme ça, on fait un double saut sur la caisse. Voilà, je m'en souviens. Alors, c'est parti. Alors ça, les petites boules que je récupère, c'est un petit peu comme les... pièces dans Mario, enfin les pièces dans Mario, les rings dans Sonic ou autre. À partir de 100, j'ai une nouvelle vie. Ce qui était un petit peu la base des... Ce qui était un petit peu le truc des jeux à l'époque. C'était... Ah, par contre, la jouabilité, waouh. Est-ce que je peux activer l'analogue? Oui, il se joue en analogue. Ah bah, ça va être plus facile alors. Voilà, ça reste un peu facile avec analogue. Kazoo! Waouh! Waouh! Je me souvenais pas par contre que c'était aussi... Aussi chiant les mouvements de caméra à l'époque. Ah! Ouh la vache!
j'ai cru que j'allais bien tomber dans la lave, hein. Je peux vous le dire, j'ai cru que j'allais bien tomber dans la lave. Voilà, donc voilà au début. Quoique, je vais peut-être jouer sans analogue parce que pour tourner la caméra, c'était plus facile. Donc, j'ai retiré l'analogue. Oups! Aïe, je me suis pris une boule de feu et sauvage de l'avoir mis ici, quoi. Sérieux, quoi. Yes, il y en a un là. Et vous voyez là les pierres que je récupère de couleurs. Je crois qu'il y en a 5 à récupérer dans chaque monde afin d'ouvrir un portail ou je ne sais plus quoi. Enfin bref. Vous voyez ce gong là à droite, il me semble que c'est avec les justement les 5 pierres que je vous parlais tout de suite justement qui fait que... Ah, level complété. Ah bah non. Je viens de terminer le premier level, mais je l'ai pas fait à 100%. C'est pas cool, c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Il me semblait que c'était grâce à ce... Ouais, c'est pas grave, on continue. Il me semblait que c'était grâce à ce gong que non, mais non. En fait, c'est une porte. Oui, voilà, je me souviens, c'est une porte à l'époque, une grande porte. Qu'il faut... Où il faut ramener les pierres dans chaque monde pour ouvrir cette porte. Gazou! 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 Hop, dans le petit puits. Allez, c'est parti. On va déjà péter ces deux caisses-là. Il est enfermé par une clé. Clé que je suis sûr qu'il faut aller chercher là-haut. Ah! Recule, croc. Ouais, tiens, elle est là-haut la clé. Chose. Oh la vache. C'est quoi ce ballon là-bas? Comment on fait pour aller là-bas? Ah, il y a une porte. On peut être par la porte de là-haut. J'avais oublié que les monstres repopaient. Ah. J'avais oublié que les monstres repopaient, du coup j'ai perdu toutes mes petites bouboules d'arc-en-ciel. Hein. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, waouh! Que la jouabilité était un petit peu dure comme ça à l'époque. Voilà, vous voyez, c'est le genre de porte qu'il faut ouvrir avec les pierres. Voilà. Allez, c'est terminé. Et donc, ce jeu Croc tourne sur PS1, hein, je rappelle, sur PlayStation 1. Je vous conseille d'y jouer franchement et de chercher à le faire à fond, c'est vraiment une grosse aventure, un truc de ouf quoi, un truc de malade.
Le gameplay est un petit peu difficile à prendre en main. Mais une fois qu'on l'a... Enfin, moi, personnellement, je joue sans le... Sans l'analogue, parce que je trouve ça plus facile pour moi pour tourner en fonction de caméra, vous voyez, comme ça. Si jamais je mets l'analogue et que je vais vers la gauche, vous voyez, il part direct en marchant. Donc, après, je sais pas comment faire pour tourner la caméra, donc je préfère faire les droites gauche au pad. Et puis refixer la caméra en appuyant sur L2 ou R2, vous voyez. Alors je voulais vous aussi remercier les... Là il y a 4-5 jours j'ai posté donc ma première vidéo gameplay via le nouveau contenu de ma chaîne sur le net et elle a déjà dépassé les 70 vues. Donc ça fait plaisir en 4 jours 70 vues étant donné que je n'ai que 250 abonnés pour l'instant. Moi je trouve que bah, c'est plutôt pas mal. Donc je voulais remercier donc toutes les personnes qui ont... C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ouais, j'ai trouvé un truc qui brille. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo qui était sur Zelda Twilight Princess HD sur la Wii U. Et je suis tombé. Alors, je voudrais tous vous remercier. Et donc, voilà ce qui me motive deux fois plus pour faire les... Pour faire la suite des vidéos. Comme celle-ci par exemple qui écroque les ennemis de gros boss. Ah la vache, je suis tombé. Encore. Ouh, c'est assez dur ici. Comme par hasard, les vies ont disparu. C'est con, on aurait pu faire un. On aurait pu utiliser. Un glitch pour récupérer plein de vie. En fait, c'est juste un passage secret pour aller récupérer deux vies. Ça va. Deux vies que j'ai perdues, je crois. Donc, en fin de compte, je crois que je repars avec le même nombre de vies que j'avais avant de rentrer ici. Donc, oui. Alors, attendez. Est-ce que ces pierres-là, on peut pas les péter? Non. Par contre, les caisses sont revenues. On va récupérer... Je me suis cru dans Spyro, j'ai cru que je pouvais manger le papillon. Allez. Oh là, il va falloir retrouver le petit gobos. Allez. On se concentre. Droite, middle, droite, gauche. Il est à droite. Il est à droite. Yes. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin? Oula. Ah oui. On peut la déplacer sur la toute la partie rose. Ah zut. J'aimerais bien vous choper toutes les pierres, vous savez, toutes les pierres de couleur. Afin de vous ouvrir les zones en fait. Eh mais attendez, là il y avait. Il me
me semblait qu'on pouvait pas monter là-haut, là. Oh la vache! Dépêche-toi de bouger, Croc, dépêche-toi. Si, il me semblait bien que ces plateformes-là faisaient ascenseur. Tiens, hé! C'est quoi ce ballon? Ah, c'est pour redescendre le ballon, d'accord, ok. Oh la vache! C'est pas accroché. Allez, petit crocodile! Qu'y a-t-il derrière cette porte? Des caisses. Oh là, vite. Ouais, il valait mieux se dépêcher. Oups. Allez, go! Oui! J'adore les petits cris qu'il fait, ce petit crocodile. Je n'ai pas la clé pour t'ouvrir, toi, petit. Ah bah regardez, là je vais avoir les 5 pierres pour aller ouvrir la porte là-bas. Comme ça je vais faire voir ce qu'il y a derrière cette porte. Il me semblait que c'était des niveaux bonus, plus ou moins durs à l'époque. Maintenant on revient 20 ans après, ça va être super dur, je parie. Parce qu'il faut pas croire, hein, mais les jeux de l'époque, par rapport aux jeux de maintenant, sont carrément 10 000 fois plus durs que les jeux de maintenant. Ouais d'accord, alors, attends. Ah, je suis plus dessus. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je débute tous là pourtant. Voilà, donc j'ai eu 2 vies. Ah cool, ok, cool. Et voici la fin du niveau. Vous voyez, les jeux de l'époque n'étaient pas si évidents que ça. Et j'ai loupé un gobos, mais c'est pas grave. Alors, à savoir que dans ce jeu, ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'on pouvait sauvegarder le jeu entre chaque level. Vous voyez ici, par exemple, chez Save Game. Et normalement, j'arrive directement sur l'option de carte mémoire. Voilà, hop. Alors ça c'est quoi? Ça c'est Tombi, Alundra, Rayman, Sapphire, Tomb Raider, oui qui sont d'autres de mes jeux. Et voilà, on peut sauvegarder donc, on peut sauvegarder directement entre chaque niveau, ce qui est plutôt pas mal. Quand on a du mal à passer un niveau et qu'on a réussi à le passer, on est bien content de pouvoir sauvegarder. Bye.
Ouais, alors je vais pas m'embêter à aller récupérer les villes, les machins, tout ça, hein. La plateforme, on la dirige directement à la porte, hein. Je vais pas tout vous faire voir non plus sur le jeu, un petit peu à vous de découvrir si vous avez un jour l'opportunité d'y jouer. Alors, il est vrai que l'on dit, oh là là, les émulateurs, machin, tout ça. Moi, je n'empêche pas les gens de télécharger un jeu, d'y jouer sur émulateur. S'ils se débrouillent pour le faire, personnellement, c'est pas mon problème. Après, derrière, tant que ces personnes-là n'en font pas le commerce et ne tuent pas l'industrie du jeu vidéo en faisant le commerce des... En faisant le commerce et tout ça, moi je m'en fous. C'est vrai qu'on a maintenant à disponibilité une chose qui s'appelle Internet, qui est merveilleuse. Il est vrai que jouer sur émulateur, à partir du moment où on a la version originale du jeu, hein, moi ça me dérange pas. D'accord, qu'est-ce que je dois faire à toi ? Ok, je crois que je l'ai tapé. Je préfère mettre l'analogique là pour le boss. Facile. C'est bon, il fallait le toucher trois fois. Gros, facile. Donc voilà, je disais, si vous voulez le faire à ce moment-là sur émulateur, faites-le si vous voulez le tester. Mais n'oubliez pas que la revente de jeux, de jeux gravés est interdite, d'accord ? Et qu'il vaut mieux avoir au minimum l'original avant d'en faire la copie. Savoir que moi, tous les jeux que je vous présente, j'ai les versions originales. Je ne vous présenterai jamais de jeux en copie. Parce que déjà, d'une, je n'en ai pas. Et je vois pas l'utilité maintenant, tout le monde dit oui, alors le rétro gaming ça devient super cher. Non les gars, ouais, faites comme moi, bougez votre fesse de vos fauteuils, sortez, faites des vide-greniers, faites des foires à tout, des ventes et tout ça machin. Cherchez sur internet, vous pouvez trouver de très 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 bonnes occasions à pas cher. J'ai chopé moi par exemple dans un vide-grenier, j'ai chopé donc Spyro the Dragon 1 et 2 donc sur PlayStation 1. Je les ai chopés, je vous jure, à 6 euros les deux. Alors, effectivement, il n'y avait pas les jaquettes. Alors là, effectivement, il n'y avait pas les jaquettes, il y avait que les CD étaient un peu abîmés. Mais, malgré le fait, les jeux tournent très bien, fonctionnent très bien. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai juste commandé des jaquettes en remplacement PlayStation 1 et j'ai recréé moi-même mes jaquettes. Point final. Alors, les jaquettes ne sont pas d'origine, mais le jeu à l'intérieur, lui, oui. Donc, n'hésitez surtout pas. Faites comme moi. Faites en sorte à ce que votre... Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Faites en sorte à toujours avoir les originaux, les gars. Toujours. Souci. D'accord, c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Ah oui! Je me souviens. Croc peut monter, peut escalader les murs, ça y est, je m'en rappelle. Mais je suis resté en analogue du coup. Du coup, je suis resté à jouer en analogique. Allez. Oh, comment je l'ai passé trop à l'aise de le petit machin là. Thank you.
Ah alors moi je trace. Je fais du speedrun là dans les niveaux de croc. Je vais pas chercher à faire tout le niveau non plus. Alors oui, ce que j'ai prévu de vous faire également, c'est des gameplays. J'avais fait à l'époque le gameplay complet de Zelda 3 sur Super Nintendo. Il me manquait que le dernier épisode, car malheureusement, à l'époque, j'y jouais sur donc ma version qui était ma version dématérialisée sur Wii, il me semble. Et j'ai eu un problème de sauvegarde. Alors, j'ai décidé là, vu que j'ai réussi à récupérer le jeu sur Super Nintendo, ainsi que d'autres bons jeux également sur Super Nintendo. Vous savez, quand on récupère un carton de plus de 60 jeux Super Nintendo à 40€, on va pas se plaindre. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire des jeux également Super Nintendo, mais pas que le jeu en lui-même. C'est-à-dire de faire des gameplays suivis. Voilà. Sur certains jeux Super NES ou même PlayStation. Hein, alors je ne sais pas si je ferai 100% du jeu à chaque fois, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en dessous. Si vous désirez avoir un jeu en particulier, que ce soit sur PlayStation ou Super Nintendo, si j'ai le jeu, je dis bien si j'ai le jeu ou j'arrive à le trouver, je vous le ferai sans problème. Par contre, si j'ai pas le jeu, allez pas criser derrière disant « Ah, Finen, c'est bon, t'as pas le jeu, machin, nanana. » Voilà, enfin, c'est pas non plus... voilà, quoi. Donc, voilà, si vous voulez, alors moi, je peux vous dire tout de suite que sur Super Nintendo, j'en ai plutôt pas mal des jeux. J'ai les Zelda, les Breath of Fire. Alors, les Breath of Fire, j'ai les versions originales en cartouche américaine. Par contre, je n'ai plus vous savez, l'adaptateur jeu américain, je ne l'ai plus. Donc si jamais un jour vous me demandez... Ah zut, je suis tombé dans la blague. Si jamais un jour vous me demandez de faire un jeu américain, je serai obligé de faire la version française émulée. Si jamais... Alors je le ferai, encore une fois, si jamais j'ai la version originale. En gros, je ne ferai pas un jeu version américaine en français via l'émulateur ou autre sans si je n'ai pas la version originale, quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vais passer en mode manuel, mode analogue. Genre les Breath of Fire, ça je peux vous les faire. J'ai les versions originales du 1 et 2, je peux vous les faire en version française sans problème. Ouah, d'accord, j'ai un certain temps. D'accord, j'ai un certain temps pour aller de là-bas à de là-bas. Mais pourquoi il redescend pas lui? Ah mais c'est... Ouais, je comprends plus rien. Enfin bref, bah on va arrêter là. Puis je comprends plus rien que je bloque. J'arrête ici. Sur ce, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo donc de gameplay sur PlayStation vous a plu. Merci à tous ceux qui vont l'avoir regardé jusqu'au bout. Là, celle-ci dure beaucoup moins longtemps que l'ancienne de Zelda qui durait plus d'1 heure. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ainsi que de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous prévois de vous faire plein d'autres vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des types de jeux en particulier ou autres, vous n'hésitez pas à m'en parler. Si jamais j'ai ces jeux dans ma collection, je n'hésiterai pas du tout à vous en faire des vidéos pour vous faire plaisir. Si vous avez des questions ou des messages à faire passer dans les vidéos, eh bien, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas à faire passer des messages, des dédicaces dans mes vidéos sans problème. Et je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous un... Enfin, je vous remercie tous très grandement, excusez-moi.
Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain gameplay. Allez, ciao !